Volume de révolution autour de l'axe OX de la courbe Y égale Y carré égale 4X. On va dessiner Y carré égale 1. On va faire tourner ça. Bon, il faut que je m'arrête. Je vais m'arrêter de 0 à 4. Hein. Sinon, bon, ça va être une courbe infinie. Alors, sinon, c'est une courbe infinie. Bon. Alors, on va regarder ça. C'est une parabole, ça va donner un paraboloïde. Ah, ça donne un paraboloïde. Vous aurez compris ça. Je vais le former avec un plan x égale 4. Donc, ça c'est déjà trop grand. Voilà, donc il faut rechercher juste le petit volume là-bas, tout petit, debout, qui est à droite du plan, c'est tout petit, tout petit. Bon, on va calculer ça. Donc je vais appliquer la formule de calcul de volume, pi intégrale de AB, y carré, dx ou f de x carré.
Alors bien sûr, ici, le y carré, on l'a déjà sous forme de... Puisqu'on a y carré égale 4x. Y carré égale 4x. Donc, ça ne sert à rien de remettre racine de 4x et puis de remettre au carré, ça sert à rien. Puisqu'on a déjà le carré. Voilà, ça sert à rien de faire ça. Puisqu'on a déjà le y carré. Y carré, il vaut 4x. Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à 4 de 4x dx. Bien sûr, avec un pi. Voilà, c'est assez simple. Pi, on a 4 pi, x carré sur 2, entre les bornes 0 et 4 pour 0, ça fera 0. Donc, on aura 4 pi c sur 2, ce qui fait 32 pi, unité de volume. C'est 32 pi. Donc ça donne un paraboloïde. Volume de 32 pi. Unité de volume. Et donc là j'ai une formule qui va donner donc voilà. Est-ce qu'on aura toujours y carré? Oui. Est-ce qu'on aura toujours 4x? Oui, parce que y carré vaut 4x. Donc ce qui veut dire qu'on aura toujours 4 pi. 4 pi. Donc on aura toujours 4 pi sur 2. Parce qu'il y a un 2 ici. Donc on aura toujours 2 pi. Je vais regarder ça d'un peu plus près. Pour faire pour n'importe quel volume. Pour n'importe quel x, c'est ça que je veux dire. Donc on a... Pi 4x, pi 4x de 0 à x dx. On aura toujours 4 pi x de 0 à x dx et on aura toujours x carré sur 2 de 0 à x. C'est-à-dire qu'on aura 4 pi. Alors, si le x, je l'appelle a, on aura toujours 4 pi sur 2 fois, c'est-à-dire 2 pi a. Unité de volume. 2 pi a, unité de volume. Donc, par exemple, ici, on a a qui vaut 4. Non, il y a une petite erreur. Ouais, parce que c'est x carré ici. Dans ce, c'est x carré. Donc ce sera toujours a carré. Donc si je prends par exemple 4 cm, 4 au carré ça fait 16, 16 fois 2, 32. Donc c'est toujours 2 pi a carré. Le volume il vaudra toujours 2 pi a carré. Alors par exemple, si je prends x égale 8, c'est 8 au carré, voilà, c'est 402. Donc je prends x égale 8, de 0 à 8, et là, le volume dans la deuxième partie, bon, il ne faut pas que je monte la première, ça c'est x égale 4, ça c'est x égale 8, le volume est de 402 unités de volume pour le paraboloïde. Maintenant, si je mets
x égale 12. On est un peu plus loin. Là, on aura 2 pi fois 12 au carré. 904. Alors 12. Donc ici, j'ai mis 4. Ça, c'est 4. X égale 4. Pour x égale 4, vous voyez que c'est 32 pi. Si x égale 8, enfin si x égale 12, c'est 904. Et si x égale 8, c'est 402. 402 unités de volume. Ça, c'est 402 unités de volume. Et celui-ci donne, par rapport au 0, 904,78 unités de volume. Je vous remercie.